Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser la deuxième étape du secret de la map d'Imachine Zombie Cold War. Alors si bien sûr vous ne savez pas comment faire la première étape, j'ai créé une playlist en description avec tous les tutos de la map d'Imachine, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Alors pour la deuxième étape, vous allez devoir entrer le code dans l'ordinateur. Pour ce faire, vous allez d'abord devoir trouver le journal du docteur Vogel. Alors pour trouver ce journal, vous allez devoir rentrer dans les terres noires et ensuite à côté de l'ordinateur, vous allez pouvoir récupérer le journal. Donc récupérez-le et ensuite vous allez devoir le donner au docteur Vogel qui se trouve juste en dessous. En fait, grâce à l'Etherscope, vous avez un scan qui permet de trouver les anomalies de fantômes. Donc ce que vous devez faire, c'est trouver l'anomalie. Quand vous avez trouvé l'anomalie qui est juste en dessous, vous appuyez sur carré et là, le docteur Vogel va apparaître. À ce moment-là, n'oubliez pas de lui donner le journal. Sinon, il va rester là planté et ça ne va pas valider l'étape. Il faut absolument que vous lui donnez le journal pour qu'il le lise. Quand vous lui avez donné le premier journal, il va falloir sortir de l'éther et re-rentrer dans l'éther. Alors pour faire apparaître l'éther noir, soit vous devez tuer des zombies, soit accomplir des tâches, soit faire des tirs-têtes, soit passer des manches. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui déclenche la réapparition de l'éther noir. Mais en tous les cas, vous allez devoir retourner une deuxième fois dans l'éther noir pour redonner le journal au docteur Vogel qui se trouve dans la salle de contrôle cette fois-ci. Alors n'oubliez pas de lui donner le livre pour qu'il le lise. Et ensuite, vous allez devoir ressortir de l'éther noir et re-rentrer une troisième fois pour redonner le journal au docteur Vogel qui est devant la table de craft à l'accélérateur de particules. Quand vous l'aurez donné une troisième fois, ressortez de l'éther noir et là, vous allez pouvoir aller entrer le code dans l'ordinateur. Et voilà qui termine la deuxième étape du secret de la map d'Imachine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.